Bien pris. Allez, c'est parti pour Concarneau qui a une petite opportunité avec de l'espace. Attention parce que Ben Ali est dans la surface de réparation. Ben Ali qui crochette. Ouh, il réclame quelque chose, mais il obtiendra le pénalty. Et but du numéro 10, Guégous, qui prend à contre-pied le gardien Dimitri et 1-0. Il arrive à s'en sortir. Il repasse derrière. Il va tenter le 1-2. Ouh, la pénalty. Et nouveau pénalty. Ben, décidément. De revenir dans cette rencontre, Pierre-Charles. Pierre-Charles face à Vio. Pierre-Charles de son pied gauche. Pierre-Charles, c'est parti. C'est dedans pour l'égalisation lyonnaise. Un but partout à la 10e minute. Et bien, Laurent, déjà 2 buts. Et nouvelle opportunité pour Guillaume Guégous et son pied gauche, et bien de porter le danger dans la surface de réparation lyonnaise. Attention, c'est parti. Cette fois, c'est dans la surface de réparation. C'est prolongé. C'est dedans. Et voilà le but du 2 buts à 1. Et il est l'œuvre de Guillaume Janez, lui qui avait déjà marqué la saison dernière ici sur cette pelouse. Oh là là, attends, c'est récupéré par Moïna. Ouh là, l'opportunité qu'il y avait dans la surface de réparation, Laurent. Et attention, parce que c'est parti en contre-attaque. Non, il coupe cette contre-attaque. Mi-temps ici au stade Balmont sur le score de 2 buts à 1. Boubaïa au milieu du terrain qui va non ne pas s'en sortir. Arojo qui a lancé Rivas. Rivas dans la surface de réparation. Et ça va passer juste au-dessus de Rivas qui est relancé sur cette action. Attention Rivas, de nouveau face à face. Et très belle intervention de Vio. Il y a danger sur le but de Vincent Vio. Pierre-Charles, c'est parti. Et c'est écarté du point par Vincent Vio. Fadloun pour Arojo. Arojo sur le côté droit. Arojo qui est passé, victime d'une faute. Arojo, on laisse l'avantage du côté. Non, on revient à cette faute. Et avertissement. Et expulsion. Parce que ce joueur, il avait déjà un avertissement. Et c'est... Peter Wanet qui va effectuer ce coup franc. Eh bien non, même pas, parce que c'est terminé ici au stade Balmont